Assalamu alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je suis revenu vous faire une autre vidéo. Je suis sur le point d'entamer en fait un truc solo où il faut que je chante. Et donc, ça me fait peur. Pourquoi? Parce que je n'assure pas vraiment le chant, mais je suis surtout un guitariste et un choriste, si vous voulez. Donc, je travaille. J'ai l'habitude de travailler derrière des chanteurs. Je me cache derrière ma guitare la plupart du temps. Maintenant, ça m'arrive de faire des trucs en solo, mais pas tellement. Et là, je suis en train de travailler sur des chansons un peu classiques et de trouver comment en fait les rendre un peu plus populaires, un peu plus écoutables, hein? Aujourd'hui, ce que je voulais faire, en fait, c'est prendre une suite d'accords qui est assez connue. Qui est sur la 1, basée sur la 1, la 6, mi sixième mineur, quatrième. Et cinquième. Alors, il faut pas oublier que c'est une suite d'accords qui a été exploitée par tous les chanteurs, que ce soit en jazz, que ce soit en chanson populaire. Donc, un sol, un mi, un do, un ré. La meilleure ou bien le meilleur exemple qui nous vient à l'esprit, c'est connaissez celle-là, Stand By Me. Alors je vais changer la gamme parce que ça va me permettre de chanter. Mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est enrichir cette ligne pour notamment ouvrir un peu d'espace pour ma voix et aussi ça me permettrait de travailler aussi mes chorus. Donc je vais la jouer sur un do. Celle-là. Alors, au lieu de jouer un do, en fait, la chanson do, la mineur, fa et un sol. Et ça va comme ça. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Alors moi, ce que je vais faire, c'est essayer de la mettre sur un do septième majeur. Neuvième. Si. Un la mineur quatrième ajouté. Neuvième ajouté, un fa, septième majeur, et un sol 13 qui devient une sol alternative. Et ça va comme ça. So darling, darling.
Ça, c'est la chanson, mais ce que je voudrais faire aussi, c'est ouvrir cette possibilité de chant, m'ouvre aussi une possibilité de chorus. Donc, si j'avais par exemple une loop station, je ferais par exemple des chorus sur, au lieu de faire un do, comme ça, et de faire un sol ici. Maintenant, c'est ouvert, c'est comme ça. Donc, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a un là. Des trucs comme ça. Alors, si j'avais une loop station, ce serait un peu plus efficace, et puis aussi beaucoup beaucoup plus transparent pour vos oreilles. Donc voilà, enrichir une suite de 1, 6, 4, 5, la rendre un peu plus moderne, la rendre un peu plus groovy. Donc pour récapituler, un do, un la mineur, un fa et un sol. Alors, j'ai dit que c'est une gamme qui a été exploitée par tout le monde. Je vais vous montrer un tout petit exemple et je vais m'en aller, d'accord? Et le petit exemple, ça va être. Accords, comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi d'un regard, reine de sabbat. Les mêmes accords, hein, les mêmes accords. Donc, c'est une suite que vous connaissez, que vous devez comprendre comment elle marche et que vous devez enrichir de temps en temps. Ça changerait beaucoup de chansons, ça vous donnerait beaucoup plus d'opportunités de vous découvrir, de découvrir votre voix et de travailler aussi votre guitare. Ciao!